en retrait. Et ballon derrière pour la frappe des Burley. Ouh, Nico Politis récupère ce ballon et le piqué. Magnifique, Stéphane Chapuzard. 1-0. Rien perdu de son sens du but. Voilà, Nicopolidis repousse ce ballon. Même s'il touche le ballon derrière, Stéphane Sapusa, toujours à l'affût. C'est le premier but de ce match de gala, ce match de lutte. Et réussi de doubler, voilà, toujours cette petite patte là du buteur, Chapuza. Hop là, ce petit ballon dévié, magnifique ce qu'il réalise, l'ancien avant-centre de Dortmund. Très très beau but. Dans le dos de Fabio Cannavaro, trop court pour reprendre ce ballon, et ça fait donc 2-0. Assez notable, Yakin aussi, la passe est somptueuse, et toujours cette patte gauche de la part de Stéphane Chapuza. Il résiste encore au retour de Fabio Cannavaro, qui a marqué 73 buts en 82 sélections avec le Brésil. Va-t-elle marquer la cocotte brésilienne, Marta? Et non, la parade. Zidane derrière, Zidane la frappe, et bien voilà, 3 buts 1 à la 43e. Remontée, et en tout cas celui-là est largement mérité. Colavitti là se heurte une première fois à la brésilienne, et derrière, la passe parfaite jusqu'à Zidane qui conclut en force. Kelele est sorti à la pause. Marta, bon ballon là pour la brésilienne, le centre jusqu'à Christian Vieri, le tir de Vieri, 3-2. Grâce à un beau travail au départ de l'action de la part de Marta. Christian Vieri a aujourd'hui 40 ans, ancien attaquant de Marta. Zambrotta, Solari. Le centre de Solari, somptueux, 3 buts partout avec l'égalisation. Zidane et Ronaldo reviennent à 3 partout. Ballon bien donné de la part de Solari pour Christian Vieri. Ah, il fait un doublé. Voilà, centre de Enzi. Et très belle tête au second poteau de Magnin. Les amis de Zidane et Ronaldo étaient revenus de 3-0 à 3-3.